Restons-y sur les sujets délicats. Je suis pour la recolonisation de l'Afrique. Pour la recolonisation de l'Afrique. Oui. Sujet délicat, non? Oui, bien sûr. Beaucoup de gens me diront ça, oui, crime contre l'humanité. Oh, tout ça, c'est des grands mots, c'est des grandes théories. Écoutez, moi, personnellement, bien évidemment, un Français d'ici qui connaît comment la colonisation s'est passée va dire que nous, on a aucun intérêt, on veut pas retourner en Afrique parce que ça nous a quand même coûté plus que ça nous a apporté, il faut le dire. Ceux qui sont dans l'ignorance, qui ont décidé de s'enfermer dans des théories de propagande par la gauche, ils disent que oui, la France s'est fait du blé, la France a fait ci, mais là, non, pas du tout. Quand on lit des ouvrages, quand on lit dans son ensemble, la colonisation a plus coûté à la France que ça ne lui a apporté. Personnellement, je voudrais qu'il y ait une recolonisation en Afrique. Pourquoi? Parce que je sais que les Français en Afrique, au moins ils seront justes. Au moins quelqu'un qui porte un nom de l'Ouest comme moi au Cameroun trouverait du boulot. Non pas parce qu'il appartient à une communauté ou à un village, mais parce qu'il est compétent. Je pense que il y aurait moins de corruption. Je pense qu'il y aurait un véritable ascenseur social. Je pense qu'il n'y aurait pas vraiment de fossé. Je pense vraiment à beaucoup de choses. Tout ce que je vois qui fonctionne en France, je pense que si la France recolonise, je prends un exemple pour mon pays, hein, je prêche pour ma paroisse, si la France recolonise le Cameroun et remet les pendules à l'heure sur certains sujets, je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de Camerounais qui ne partiraient pas de la France. Mais quand on dit la France aux Français, on peut aussi comprendre qu'on puisse dire l'Afrique aux Africains et pas aux Français et pas aux Chinois.